Alors, le pod est en train de d'aller dans la ruelle, mais il passe de maison en maison, ce qui est chiant. Je pense qu'on va les je pense qu'on va ouvrir le feu. Là, on a une belle vue sur lui, en fait. Ce qui est pas mal. Ou alors, on fait une zone mortelle. On peut faire aussi autre chose. On fait une zone mortelle, après. Après, le ranger... Ouais, mais le ranger, il va pas assez loin. Il a pas gun and run, en fait. C'est ça qui est chiant. Il a pas ça. On pourrait avancer une fois. On avance une fois, on fait le grappin. Avec de la chance, on peut se mettre là. Il fait chier ce... J'aime pas du tout... Franchement, le ranger, il est fait d'une façon que je déteste. Il est vraiment fait d'une façon que je ne supporte pas. Je n'aime vraiment pas du tout avoir des rangers comme ça. En fait, il est fait pour l'infiltration. Ce qui était bien, dans le jeu de base, sans les faucheurs. Maintenant, c'est pas vraiment utile, en fait, d'avoir ça. Enfin, en tout cas... Pour ma façon de jouer, c'est pas du tout utile. C'est plus utile en fait. Parce que moi j'aurais fait run and gun et je me serais mis là et je l'aurais défoncé. Bon là je le fais parce que j'ai grappin, merci au grappin quoi, mais j'aime pas du tout. Alors là on a 95% de faire un crit sur ça, c'est pas mal, mais on a de l'armure. L'armure est chiante. Là, on a 96% de faire un crit sur ça. Là, c'est mieux. Donc là, on devrait pouvoir le one-shot. Et on va mettre le sniper en zone de mortel. Que j'aime pas non plus. Que j'aime pas non plus. Il n'y a pas moyen qu'il passe. Allez, go. Par contre, lui, il risque d'être... Non, il va pas se faire des coups. Non, allez, go, 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 go. Allez, meurs. Waouh. Waouh. Un crit à 12, quoi. Un peu pourri. Oh, bien joué. Ouais, un coup pour rien. Bien joué, 70% et tu loupes. Ah, c'est un peu mieux. 58 et tu touches. Je sais pas, j'ai eu une déco, pourtant j'ai pas vraiment perdu internet, rien. Voilà. Mystère boule de gomme. Par contre, je crois qu'on va devoir utiliser une balise, en fait. J'ai pas vraiment bien joué. Okay. J'ai pas vraiment bien joué, en fait. Enfin, non, c'est parce que les autres, ils ont loupé, c'est surtout ça.
Tout ça parce que l'autre il a loupé ses tirs en fait, le sniper. Maintenant je suis dans la merde. C'était prématuré mon attaque. C'est con ce que j'ai fait. Déplacement tactique. On va utiliser une balise. Ordre bien reçu. Jouer. Fait chier. Je tire sur tout ce qui bouge. Je me suis un peu précipité peut-être. Ça devrait tenir. Oh non, ça va pas tenir. Ça va pas tenir les trois. Sauf si tu le tues. Yes, okay. Ça va, on est bon alors. Ah, Zone Mortelle est encore actif. Ok, cool. Zone Mortelle était encore actif. Je sais pas quoi faire. Il a 17 points de vie, mais avec deux armures. Oh mon dieu, c'est moche. Ce qu'on peut faire, c'est le détruire et après faire protocole de détraquage. Je pense qu'on va tester ça. Mais du coup, ça va être un peu la merde. Si on met la grenade ici. Après, on demande au grenadier qui est tout derrière de balancer une grenade. Ah, oh, on balance tout dès le début, quoi. Ça, c'est chiant. Sur le premier pod, on balance tout sur le premier pod. J'aime pas faire ça. Ça nous évite de prendre des coups. Mmh.
sais même pas si ça va le tuer. Non, on va même pas le tuer. Lui peut se déplacer une fois tué. On teste le contrôle. Je vais entrer dans sa tête. Non, on va mourir. Non, on va tous mourir si on teste le contrôle. Si ça se loupe, on est tous morts. On va se prendre des baffes et tout ça, c'est horrible. Mais dans un sens, ça me donne envie. Envie de tester. Oh putain. Pourquoi je fais ça? Bon bah voilà, maintenant il est dans la merde. La puissance à l'état pur. Ah, encore heureux que il y a elle pour attraper la chose. La journée m'appartient. J'attaque à vue. Passe en vigilance. Bah 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 bah. Il y a le faucheur qui est complètement exposé. Hein. Mais on a plein de vigilance, donc à moins qu'il bouge pas et qu'il tire direct. Non, ça va. Ennemi détruit. Oh la vache, tout ce qu'on a utilisé pour le premier pod, mais c'est abusé. On a utilisé tous nos explosifs carrément. On a tout utilisé. Il reste plus que des grenades à main quoi, mais bon, super. Ah, on a une grenade de feu. Je suis né dans les ombres. Ouais, t'es dans les ombres. Je suis né en Californie. Je commence à m'y faire. I'm ready. Bon, c'était moche. Je recharge mon arme. S'en est sorti, mais voilà. On s'est pas fait toucher à rien, mais bon. C'était pas beau. Avant d'avancer, on va se faire l'autre pod à droite. Quoi qu'on doit même pas les tuer. Je me dirige vers les coordonnées. C'est même pas... Ça fait même pas partie du plan. Moving to designated coordinates. Vigilance confirmée. Overwatch. Je reste en observation. Mais bon, ça fait des points. C'est pour le score. Je vous fais confiance. Tu devrais pas. Il doit être là-bas. Move. Ok, je bouge. Hey Joe! Je pars loin. En vigilance.
Je vais ouvrir l'œil. Et le bon. Ah non. Ah non, ils sont trop loin pour me voir. Ok. Ils sont trop loin pour me voir. Okay. On est en théorie plus ou moins bien placé. On est en théorie plus ou moins bien placé pour combattre 11, 12 et 15. On a le ranger qui est là, on peut le faire passer en obscurité pour qu'il s'avance et qu'il ait le bonus de tir. Ça pourrait être utile. Après on a lui qui est en hauteur, enfin elle, ou alors on a du tir. On a encore la zone mortelle. Ça ferait que 2 tirs par contre. C'est pas beaucoup. Des traquages on n'a pas, on a le protocole électrique. Le protocole de combat. J'ai rechargé. Ok, on va attaquer. Il a vraiment pas le bon sniper pour ça. On va faire ça. Cette zone, c'est la mienne. Ok. Donc, on peut ouvrir les festivités avec du protocole. Ou alors camouflage et on avance. Je pense du camouflage. Hidden away. Affirmative, moving out. Ouais, tu me le one-shot, ça. Quand même. Ou pas du tout. Salut Eric, bienvenue. Hard target, minimal damage. They've seen me. Oh là là. Il est fort, lui. Hein. Il tire derrière lui. La balle, elle va sur la cible, quand même. Oh putain, il n'y en a que 2, en plus. Il n'y a eu qu'un tir. Non, il y a eu 2 tirs. Pourquoi il y a eu un mort? Bon, on s'en fout. Ah, t'es trop loin. Oh. De combat. Oups. Toi, t'es super mal placé en fait. Vampire de vivant, plutôt que de tirer automatiquement, effectuer n'importe quelle action simple. On peut tuer avec ça.
peut se mettre là, on lui met deux. On lui met un tir. Mais le faucheur sera plus ou moins visible. Je me déplace. Ouh. Honnêtement, je sais pas ce qu'on peut faire. Scanning. Ma stratégie s'étoffe. Yes. Bien joué. Ah ouais, du coup, elle joue en fait. Donc, j'ai cliqué en dehors de truc. Ok. Je me lance. Mais bon. Très bon même. Pardon. Heading there now. J'y retourne. Reloaded. Faire gaffe à lui parce que maintenant il se voit de plus loin. Donc faire attention. Ready to engage. Allez, on y va, on avance. On se casse même. Il devrait rester un pod, allez, deux maximum. C'est tout. Ah bah oui, il y a un pod là-bas. Ouais, on l'avait vu. Avec les chrysalis. Ce qui est un peu étrange d'avoir des chrysalis en pod comme ça. Je vais me déplacer. On devrait pas trop avancer. Personne. Je passe en vigilance. On avait retrouvé Masha. Il nous restait juste à l'aider à s'enfuir. Ah voilà, maintenant la zone est plus grande. Retrouver Masha. Est-ce qu'on peut se mettre là sans se faire voir? Yes. Grappin lancé. Glapin. Bien.
Bien, commandant. Good to go. Okay. On va les attaquer le prochain tour. Sauf si... Oh, ça se casse, évidemment. Quoi? Pourquoi tu tires? Son armure tient le coup. Pourquoi tu tires? Il va falloir que je m'entraîne au centre de tir. Target neutralized. Pourquoi tu as tiré? Alors je sais qu'on est visible, qu'on n'est pas à découvert, mais... Ah ouais, non, tu tires automatiquement. Un peu étrange. Je ne sais pas. Qui on tue en premier? C'est qui les plus dangereux? C'est la Chrysalis, on est d'accord. Cible neutralisée. Bien joué, Polo. Un petit tir au pistolet. Est-ce que on peut récupérer un des gardes du corps? Alors, on verra après. Je sais pas si ça vaut le coup de s'exposer en fait. Est-ce qu'on va pouvoir les tous les tuer? C'est ça ma question. On peut balancer une grenade et partir. On peut même faire vindicte sur lui pour l'exposer aussi. Mais est-ce que ça va être utile ou pas? On peut le tuer avec lui, parfait. Je suis à vos ordres. Est-ce qu'il nous reste des munitions? Bam bam bam. Ils savent où nous sommes. Pas grave. Alors on peut faire vindicte. On expose lui. Par contre, si on lui tire dessus et qu'on le tue, il y a une chance qu'il explose du coup.
sur elle. Et ben, ça, ce sera un problème quand même. Ce sera un tout petit problème. Après, on peut juste tirer dessus aussi. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Par contre, faut pas se louper. Faut pas se louper. Parce que là on s'expose comme des fous. La négociante avait quelques amis avec elle. On pouvait décemment pas les laisser là. Ok, on peut les utiliser aussi. Oh yes, t'as une grenade. Oh. T'as une grenade, je t'aime. Parfait. Et voilà. Quelle stratégie. Overwatch. Moving. Affirmatif, je couvre la zone. Affirmatif. On a réussi à ramener Masha et ses amis en vie. Mais ça n'a vraiment pas été facile. On Overwatch. Ah, c'est encore des gens qui a camouflage. Ok, on a plus de camouflage. Bon. J'adore tout ce qui est explosif. J'adore. Magique. Je repars à l'attaque. Moving. Une longue approche. J'ai chargé ces munitions moi-même. Ah ouais, là on a plus de discrétion. Oui, oui, là on est là c'est bourrin là. On a des scans et bah, c'est tout. Donc 10-4. Là on peut se faire voir et tout, c'est un peu chaud. On avance comme avant, en fait. Comme si on n'avait pas de de faucheurs. On a l'habitude, y a pas de problème. Salut Orion, ça va? On n'a pas trop eu de RNG pourri cette fois. Ça s'est plutôt bien passé. Overwatch. C'est plutôt bien passé. Un faucheur est toujours... Je commence à m'habituer à cette équipe de merde en fait. Je commence à m'habituer à leurs habilités pourries qui marchent pas entre elles. Donc je commence à arriver à faire des trucs sympas. J'y arrive un peu. Je suis en route. Je crois qu'il y a encore un pod, donc ça doit être ou droite ou gauche. Et ça va être un problème. Là on peut directement monter, il n'y a pas de problème, mais ça doit être... Chemin. Droite ou gauche. Peut-être à droite alors. Orders confirmed, moving out. Yes, merde. Oh, ho, ho. Ok, là c'est pas drôle par contre. Oh la vache.
Honnêtement, je dirais faudrait partir. On a une balise. Oh la vache, t'es sérieux? Honnêtement, je dirais qu'il faut partir. Non, on va pas le faire parce que je suis con. C'est le dernier pod. Allez, vas-y, on se concentre. On peut les brûler si c'est déjà bien. Truquer toutes les unités dans un rayon limité des unités robotées sur le cycle de dégâts. Bon là. Est-ce que les autres c'est considéré comme des robots? Non, même pas. Ok. Bon bah autant l'utiliser. La décharge, autant l'utiliser sur eux. Décharge tes condensateurs. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal en dégâts. Et ils sont désorientés, c'est bien. Ça, c'est très très bien pour nous. Ah, on a encore une grenade flash. Yes. Pas mal. On pourrait faire colère sur lui. Non, mais non, ça va pas le tuer. Ça va pas le tuer. Ah, quoi que si, avec la... Ah non, on s'expose. Avec le feu, ça va le tuer après. On s'expose à mort. On va la jouer safe. On va essayer de pas se faire toucher. On pourrait faire vindicte sur lui. Ça ferait 8 de dégâts. Yes, vindicte, vindicte, vindicte. C'est bien ça, hein. Je me gourre pas. Utilise le grappin pour attirer une cible, ok. Si tu nous fais vindicte, ça serait vraiment cool si ça marche. 83% quand même. Yes. Cool, cool, cool. On est bon là. On est bien, on est bien. C'est pas mal. Ba-ba-ba-ba. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Là, on commence à bien fonctionner avec cette équipe. C'est un peu long. Mais ça va, ça avance. Je crois qu'on va balancer une grenade sur lui, comme ça il a une chance de mourir. Avec le feu. 4. Ça ferait 3 points. Non, peut-être pas. Ouais, non. Ouais, 4 points, non, il va pas mourir. À la limite, j'ai pas vraiment, peut-être. Pourquoi pas. Est-ce qu'on balance vraiment une grenade? Enfin, une balise. On va le faire. Mmh.
Ils sont désorientés les deux déjà. Full cover et protection. Ils vont s'exposer, c'est ça qui est bien. L'autre, il va avancer sur nous normalement. Quelqu'un se rappelle de leur nom? Je me rappelle plus de leur nom. Ils sont toujours désorientés, ça. Hey, loupe-toi, loupe-toi, loupe-toi! Ah, merde. 100%. Faut qu'il se loupe, lui, par contre. Faut vraiment qu'il se loupe. Ah, yes! Ah, non. Ah! Fais chier. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va nous faire chier, par contre. Ouais, il va nous faire chier. Du plan. Faut absolument le tuer. On aurait dû garder la grenade. Là, on l'aurait fait tomber. Hop, c'était fini, quoi. Ok. Je suis la main de la vengeance. Nouvelle position. Salut, Nico. Ça va bien? Les héros, genre les classes spéciales, tout ça, escarmoucheurs et tout, ouais. Même s'il devrait pas. Parfait. Boom. Oh, il a explosé pendant qu'il tombait. C'est magnifique. C'est magnifique. On dirait un film hollywoodien. Ah, du coup, on a récupéré le Ranger. Yes. Ouais, c'est... point de vue histoire, on devrait pas, parce qu'on connaît pas encore les escarmoucheurs, on connaît pas les Templiers, on connaît pas... Enfin, on connaît les escarmoucheurs, je crois. Central, il en a entendu parler, mais il a jamais travaillé avec encore, parce qu'ils se font la guerre, comme des débiles. Mais bon, pas grave, c'est marrant. On rencontre même des avatars. C'est un peu débile quand on y pense. Mais c'est fun. Hop là, oh putain, on a fait tous les pods, ça tue. On a fait tous les pods et on s'est pas fait toucher. C'était un peu galère, mais ça va. Understood, moving out. J'y vais. Moving to designated position. Allez. En plus, il y a des moments, ça s'est mal passé. On a essayé de contrôler un Big Daddy, c'est mal passé. C'était fun. J'avance. Solid copy. Ok, on est bon. Paré. J'ouvre l'œil. Ah là, il y avait des gros ennemis quand même. Ça a donné pas mal de points. C'était vraiment cool. J'y vais. Je vais vite. Location confirmed. Je m'en occupe. Getting it done.
Attends, il reste qui Est-ce qu'on peut faire partir tout le monde en même temps? C'est bon? Yeah! Tout le monde qui rentre. C'est stylé. Hop là. Je me tire d'ici. Plein de cordes. Yeah! Ça va, on est dans les 200 000. Notre nouvelle amie du marché noir déjà. Est saine et sauve. Et ça va bien se passer. Elle nous était redevable. On aura du mal à oublier ce qu'on a vu ici. Enfin, l'équipe est rentrée en un seul morceau, avec l'appareil et le VIP. Ça aurait pu se passer plus mal. Ah, je te le confirme. Perfect. J'arrive toujours à récupérer un petit truc en plus pendant ces sorties. C'est le petit secret qui me permet de ravitailler nos troupes aussi vite. C'est bon, petit. Donc là, on aurait pour le sniper ou alors pour le spécialiste. Vu que Lily, elle fait surtout des habilités qu'elle tire très rarement, ce serait un peu du gâchis de lui mettre ça. Alors que le sniper, il fait que tirer avec son arme. Donc on va lui mettre la lance. Après, elle a protecteur. Enfin, ouais, elle peut tirer plusieurs fois, mais bon. Comme j'ai dit, elle va faire surtout des habilités. Rover niveau 3. Hein. Armure lourde expérimentale. Bien couverture. Jugement. Le jugement. Ouais, ouais, franchement, c'est pas. Point de vue lore, c'est pas normal, mais. C'est fun. Il a gagné couverture. On a Island, on a bannissement. Oh, on a bannissement, cool. Plus de balles, bien sûr. Plus que deux missions, on devrait y arriver. Ah, la médaille d'or. Journal de l'ingénieur en chef, 142e jour. Grâce à notre nouvelle amie Masha, on a retrouvé la trace d'une autre épave, celle d'un vaisseau éclaireur extraterrestre. Maintenant que j'ai réussi à intégrer l'IA, j'espère trouver plus de codes utiles dans son noyau de données. Et je me suis donc portée volontaire pour mener l'opération. J'aimerais avoir le temps d'en dire plus, mais je dois faire vite. J'ai une mission à préparer. Addendum au journal. J'ai oublié de parler d'un détail. Masha a découvert l'emplacement de l'épave grâce à une transmission piratée. Une transmission d'Advent. On peut donc déjà être sûr qu'on ne sera pas seul là-bas. Ouais, il y a 4. Moi j'appelle ça des chapitres en gros. Il y a 4 chapitres. Et c'est différentes parties d'histoire qui se passent entre le 1 et le 2. Enfin, entre le premier jeu et le deuxième jeu. Ouais. Là, on est en train de faire celui-là de Lily, donc c'est le troisième. Et ça parle du Talion et tout. Et des parties qu'elle récupère du Talion. Tout le monde est dissimulé, c'est cool. On a requête, grenade. On a deux fois le protocole de scan. On a toujours les bagues. Lacération. Débloque l'attaque, lacération. Là, on a le bannissement. Et on a deux clés morts. Le soldat peut porter une clé mort supplémentaire. Ok, ça marche. J'aime pas la map. Oh, j'aime pas la map. J'aime pas la map du tout.
Ah oui, protocole de scan, tu peux pas choisir où c'est. Ok, donc sur les toits y a rien, on est d'accord, hein. Sur les toits y a rien, donc on peut y aller, on peut monter. Parce que monter sur les toits c'est toujours un peu la merde. Donc on n'a pas vu dessus. On n'a pas vu à l'intérieur vraiment du bâtiment, il y a des fenêtres là, mais c'est pas grand chose. Bon, il y a un pod ici alors. Moving to position. Je confirme la position. Time to motor. Je pars loin. Une patrouille à portée. Scanning. Position défensive, couverture. Oh, ils sont déjà... Ils sont déjà vénères, eux. Oh. Le modèle de cet éclaireur est peut-être dépassé, mais je sais qu'Advance fera tout ce qui est dans son pouvoir pour nous empêcher de mettre la main dessus. On a tendance à croire que leur technologie est à des années-lumière de notre compréhension, mais c'est faux. Et je crois qu'ils en sont conscients. Comme dit Dutch, on peut pas combattre la gravité. Une pause subtile. On peut pas combattre la gravité. T'as pas salve. Pourquoi t'as pas salve, sérieux? Tu devrais avoir salve. On pourra en mettre une deuxième de Claymore. Ce serait un peu abusé. Ce serait un peu overkill, non? C'est combien? C'est 8 de dégâts. 8. Là, ça ferait 4. 4. Non, y a que le robot qui risque de... Il n'y a que le robot qui risque de survivre à ça. Parce qu'il y a deux étages quand même. Hein. Ils vont tomber de deux étages si tout se passe bien. Get ready for a surprise. Poupou. Yo. Ouais, le robot a survécu, je crois. Attends, non, c'est bon. Le trou dans l'immeuble. C'est énorme. J'adore les explosifs. Je kiffe les explosifs. Ça, c'est fait. Allez, allez, allez. Good to go. Compris, commandant. À vos ordres. J'ouvre l'œil. Bien là, bien. Faut que lui il arrête de tirer par contre, il fait très 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 mal. Oh, je crois que ça pète ça. Ça, je crois que ça explose. Malgré sa puissance et sa sophistication, la technologie extraterrestre est assez intuitive.
Quand je pense à tout le temps qu'on a perdu avec papa à essayer de l'égaler, alors qu'on aurait mieux fait de l'étudier. Je ne dis pas que Valen avait raison, mais il doit bien y avoir un juste milieu. Ah. Si on veut gagner cette guerre. Pas encore là. Je vous fais confiance. J'ai l'objectif à porter. Voir combien il a de vie. C'était le noyau de données. J'espérais juste qu'il n'y avait pas de mesure de sécurité cachée. Ça va, on a encore le temps. Pour moi, dans l'extrême, il n'y a jamais d'overkill au vu de ce qu'ils font en face. Comment ça? Genre le coup du... le coup de l'immeuble et qui tombe? Bonsoir, bienvenue. Là, on a vu dessus. Ah oui, toi, t'es toujours dissimulé. Est-ce que ça vaut le coup de gâcher ta dissimulation ou pas? On a le protocole de combat. On peut... Non, tu vois pas, tu vois pas, tu vois là. On a l'impression du free cheating. Ah, les aliens, tout ça, comme la façon dont ils bougent et tout, avec, avec le RNG pourri. Ah oui. On va faire du... Allez, de Lynx, normalement ça devrait le tuer. 12 à 15, il a 12 HP, il a 4 de défense, c'est ça le problème. Allez. Il va sûrement pas le tuer, mais on a d'autres personnages. Son armure tient le coup. Ah, c'était quand? C'était hier. Hier, quand on a commencé ce chapitre-là du DLC. 96% loupé deux fois. 91% loupé une fois. Après, on a du 80% à tout va qu'on a loupé. C'était affreux, c'était affreux. On a dû recommencer trois fois à cause de ces petits problèmes. C'était un peu abusé. Bien joué, Lily. Ok, le premier pote qu'il faut faire, c'est eux. Je soupçonne que ça, on peut le faire péter. Donc on va devoir les défoncer en premier. Je fais du chemin. Le premier, une save, un tir. Moi je joue quasiment jamais en normal si j'ai pas Iron Man. Parce que sinon en fait tu passerais ton temps à recharger la partie. Parce que t'as des trucs, c'est tellement bullshit que tu te dis bah non mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc je passerai mon temps à recharger la partie. Donc c'est pour ça que je me force à jamais. Ouais, sur l'ancien jeu, ouais. Oh non, 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 oh, pas bon. D'après mes premiers scans, ces éclaireurs volent sans pilote. Un peu comme des drones de reconnaissance autonome. Leur design rappelle beaucoup le prototype de Gremlin que j'essaie de mettre au point pour nos soldats. Ah! À bien plus grande échelle. Et ils ont l'air aussi un peu plus fiables. Fait chier parce que... Oh là, ils étaient bien là à gauche.
Là, du coup, on fait péter ça. Ça va toucher le... Je vais me placer. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, pas mal. Y a pas le tonneau là devant. Ok, il y a le tonneau là devant. 10. Okay. On a du potentiel. On a du potentiel explosif. Ça, j'adore. On a du bon pourcentage. On a les mecs avancés. Lily, toi, t'es dangereusement exposé en fait. Tu vas me dire que si tu te mets là, tu vas pas te faire exploser. Il y a elle qui est trop en arrière. Ça me fait chier par contre. Ça s'est fait extrêmement chier. Il va falloir qu'on l'avance en fait. Ok, on va faire ça. On a le sniper, on pourrait le mettre en... en zone mortelle. Je suis prêt à y aller. 3 tirs en zone mortelle, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on le met en zone mortelle un peu à droite pour qu'il touche tout le monde ou on le met à gauche? Cette zone, c'est la mienne. Cette zone, c'est la mienne. Ok. Putain, ça fout les boules. On a deux super pods à défoncer là. Ça va être la merde. C'est parti. Il faut saisir toutes les opportunités. Allez, à toi de jouer! Bien, 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 bien. Ennemi neutralisé. Ah, Staz! Merde, ça fait chier, lui. Oh, raté. Non, lui, il fallait le toucher, par contre. Ah, tu fais chier. Ah, lui, fallait le toucher. On a une extinction avec 75%. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas super beau ce qui se passe. Ah, on peut faire ça, saturer l'un à gauche et ça ferait chier le sectopode. Mais le sectopode, il va nous faire très 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 mal. Donc on va devoir utiliser une balise pour esquiver, pour éviter ces problèmes. Oh oh oh, attends. Oh, peut-être que. Bien, commandant. Avec ça, avec coup de fouet. 99% de faire. Oh, on peut le tuer, je crois. Je pense qu'on peut le tuer.
des charges électriques. On va voir. T'es à combien? T'es à 17. La puissance à l'état pur. Piou! Oh, il te reste 9 HP. Ah ouais, quand même. Par contre, si on le fait péter ici, il va péter à côté du truc. Oh, fait chier. C'est quoi ces points ennemis tués? C'est le DLC. Le DLC est avec un score. C'est pour avoir une médaille à la fin. Pas vraiment intéressant. Ce qu'on pourrait faire, c'est avancer et tirer la roquette. Ça ferait 4 à 7. Ouais, non, ça le tuerait pas de toute façon. Ça sert à rien. Attends, c'est où qui nous voit les autres? Je sais pas si la vigilance va vraiment être utile avec elle. Non, on va faire ça. Bon, il y a que deux personnes. Il y a le sectopode et lui. Lui, il va sûrement rien faire. Sectopode, il va aller sur la balise. Me la one shot pas, s'il te plaît. Pouh. La chance. Ok, très bien. Ah ouais, d'accord. Ouais, toi tu nous ignores complet, toi. D'accord, toi t'es un enfoiré. Ah, Là, le sniper, il a toujours la zone mortelle. Le sniper, il aurait dû avoir un chargeur, un grand chargeur en fait. J'entends un flot ininterrompu de propagande d'Advent qui incite les gens à rejoindre leur centre urbain. La promesse d'une vie de confort, l'avenir qui commence aujourd'hui. C'est pas du tout ce que je vois ici. Ces gens souffrent. Je pose des explosifs. J'aurais dû vérifier en fait si on pouvait tirer. Ouais, non, ça va. Oh, ah oui, la tourelle, d'accord, ok. Oui, la tourelle fait pas partie du pod. On va faire ça, comme ça c'est fini. Déjà, on n'entend plus parler de lui.
peux pas toucher les trois, ce serait bien. Fait chier qu'elle est pas salve. Fait tellement chier qu'elle est pas salve. La bombe incendiaire, elle va pas détruire la grenade. Hein. Elle va pas faire péter la grenade. Non, de toute façon, c'est trop loin. Est-ce qu'on s'avance ou pas? On va détruire le codex en un tour comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce qui me rend fou à pas avoir run and gun? Oh la vache. Un skin gilet jaune. Et je ne pense pas que ça existe. Oh! Ouais, là tu nous as trahi, tu nous as même foutu dans la merde. T'as bannissement, mais avec deux balles, ça serait débile de faire bannissement. On va mettre la balise. Toi tu vas nous tuer ça. Avec allez de Fogg, une chance sur deux. Ils ne pourront plus nous cacher. Il est tellement pourri ce... Il est tellement nul. Ce faucheur, horrible. Si ça fait ça, c'est parce que l'attaque est une mine. Donc... Ouais. Des fois, on peut un peu gruger le truc. Quand même. on va mettre une balise. Ça nous ferait quoi? Ça nous fait que 4 personnes. Ça va, c'est pas la mort. Hein. On a que 4 monstres. J'aurais bien voulu tirer au sniper avec, sur celui-là, en fait. Implacable, non. Attaque furtive, alors 25 et 25, donc tu vas être à 77% de toucher. C'est bof. Ou alors on fait celui-là. Mais on va en tuer aucun, c'est ça mon problème en fait. C'est qu'on va en tuer aucun.
Il faudrait tuer la chrysalis. Au moins. On va se concentrer sur une personne à la fois, comme ça on en tue le maximum. Gâchette, yes, yes. Ah, du coup on fait ça. Yes. Eh, des fois la chance. Des fois la chance, elle marche avec nous. C'est bien ça. C'est rare, mais c'est bien. Maintenant on fait ça. 8 à 10, parfait. Attends. Le lance, il prend qu'un seul point d'action pour tirer. J'avais oublié ce détail. Donc on peut tirer. Oh la vache, ça, c'est énorme. Donc je peux tirer plusieurs fois. Énorme. On va mettre ça, comme ça la tourelle elle va tirer sur la balise. Parce que lui il est exposé comme un abruti. Donc on va faire ça. Là. Ce moment où XCOM devient jouissif. Ouais mais grave. Ouh, t'aimes pas ça. Elle est coriace son armure. Elle est coriace, j'avoue. On the move. Et c'est là qu'on trouve un autre pod et que c'est de la merde. Normalement, il n'y a plus personne. Il n'y a que la tourelle et ça. Eh, tire dessus. Mais ne le one-shot pas. Merci. Parfait. Comme ça, la tourelle va tirer dessus. Ouais, c'est bon. Ça ne faisait pas partie du plan. Lily, c'est une balise. Arrête de gueuler. Ils scannaient ces gens. Advent a déjà gagné la guerre. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir de nous encore? C'est une balise, Lily. Calme-toi. C'est fait. Attends, il reste une tourelle. À croire que je commence à prendre le coup de main. Ah ta mère. J'ai pas eu les points de la tourelle. Fais chier. Ah, c'est pas grave. Possible que j'ai emprunté 2-3 choses à Macha en passant, mais elles ne manqueront pas plus qu'à leurs propriétaires initiaux. C'est confirmé, Arnold aura le même commun de tueur en série psychopathe que sur GTA Online. Pourquoi ça, Gull? Les styles de katana vert, ouais, ils sont stylés. Les armes qui sont à l'intérieur du DLC sont très stylées.
Qu'est-ce qu'on fait? On passe tous avec des ultras ou alors on garde les... on prend les armures? J'ai l'impression que ça serait mieux de faire ça. D'avoir des augmentations ultra. Que d'avoir les armures augmentées en fait. Évaluation du danger, ah tir rapide, un truc de bien. Annihilation, ça c'est cool. Ouais, du coup lui il a ultra perception, c'est sympa ça. Ouais, on est bien. Donc ça la dernière mission devrait pas être trop dure. Ah ouais, la bande de soins elle est top. Je me suis fait permaloc par un joueur qui m'a tué en boucle et d'autres arrivés. Oh, c'est sympa ça. Pardon. Sympathique ce, le online. Journal de l'ingénieur en chef, 145e jour. Ça m'a pris quelques jours, mais j'ai enfin déchiffré les données récupérées sur l'éclaireur. Son IA avait réussi à détruire tout ce qui avait trait au scan des civils. Mais j'ai quand même retrouvé l'emplacement d'un transport d'Advent qui s'est écrasé à quelques secteurs d'ici. Ces vaisseaux utilisent la même énergie que le Talion. Si je peux retrouver un stabilisateur en état de marche sur l'épave, on pourra enfin rallumer le réacteur sans faire sauter tout le reste. L'impact serait... Une seconde. Rover, arrête ça tout de suite. Fin du journal. On approche de l'épave du transport extraterrestre, où j'espère trouver un stabilisateur énergétique en état de marche. Les vaisseaux d'Advent ont l'air de communiquer via un réseau interne, alors on peut partir du principe qu'ils ont les mêmes infos que nous. Enfin bon, on a une mission à accomplir, quel que soit le prix. Yay. Dans une espèce de latence de 21... 2 secondes... Le mec, je lui mets 2 balles, 1 balle, je me vire 60% de ma vie, deuxième touche, je mets 0 dégâts, je prends 1 balle, je tue, ok, action. Ah ouais, c'est bêta quoi, bêta problème de serveur. Je pense. Oh, il aime pas la map. Il n'aime pas la map. Ma vie est entre vos mains. Non, entre les mains de Lily. Arrête de me dire ça à chaque fois. On a le gentil avatar. Qui est pas censé être là, mais c'est pas grave. Je change de position. Ah, par contre, on a un... Est-ce que t'es protégé là-dessus? Non, t'es pas protégé là-dessus. Ah! Ils sont où les avatars? Il était où l'avatar? Merde, il était là. Ok, on pourrait sniper... On pourrait faire du sniper. J'y vais tout de suite. C'est con parce que je suis pas regardé s'il y avait des gens là. Mais on va mettre le sniper ici en hauteur, comme ça il aura le bonus. Moving on target location. Eton Bétal. Eton Bétal. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire je suis sur le chemin. En mode vigilance. Je viens de finir l'intro et le mec rôde à la sortie du premier camp. Ouais. Bah, ça arrive. Un vaisseau de transport de classe Delta. Que les vétérans appelaient un OVNI. On a longtemps cru que c'était la pire des menaces extraterrestres. Mais on avait tort. C'est pas grave, faut combattre Gull, faut combattre. De toute façon, dans le Far West, il y avait des connards aussi, hein. Des voleurs et tout ça, hein. Donc ça reflète bien le truc, hein, pour moi. Je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça normal.
Après, le lag, oui, ça c'est autre chose. Ça vient du. Ça c'est un problème de serveur. Il faudrait que. En espérant que ça soit corrigé. Reçu 5 sur 5. Quand ça sortira. Attends, pourquoi tu me vois 4 personnes, toi? Oh, ah, ok. Oh, merde. Meld 4 personnes. Rolling. Je vais vous demander. Affirmative. Moving out. On va faire le même système avec la vue. Ah non, pas derrière les arbres, vous déconnez les mecs. L'armement de ces vaisseaux est bien moins avancé que celui des autres chasseurs extraterrestres. C'est sans doute pour ça qu'on a réussi à en abattre quelques-uns. Dommage, j'aimerais bien pouvoir étudier un canon plasmique un jour. Faudrait défoncer les deux codex en une fois, comme ça c'est pas... Comme ça c'est fini, au moins, on n'a pas de problème de dédoublement, de clonage et de merde. Donc on pourrait faire... L'ennemi sur un ennemi sans qu'il ne l'aperçoit, la mine explosera dès qu'il subira des dégâts. On peut mettre la clé mort là. Ça va faire 8. Après le coup du grenadier comme d'hab. C'est quoi ça? Déclenche une action immédiate après le tour de chaque ennemi dans le champ de vision. Ouais non, ça on s'en fout. Oh! Huh. Je me demande si ça marche sur le tour. Si on les active et qu'ils commencent à courir à droite à gauche, est-ce que Seigneur de Guerre va marcher en fait? Je sais pas si ça marche. Toi t'as toujours pas salve, tu me fais chier. On a grenade, on en a requin, grenade. Hop, en plus on détruit les arbres aux alentours, c'est bien. Ouais, non, c'est cool. Je laisse ça ici. Donc là. T'as fait un mec ou une femme, gueule? Zone mortelle, ça fera un tir sur le. Sur l'avatar et ça fera un tir sur l'autre. Donc normalement, lui au moins il va crever. L'avatar, non, je pense pas. Je sais même pas si zone mortelle, ça. C'est utile de l'utiliser en fait. Je pense pas. Non, zone mortelle, on va pas l'utiliser parce que je crois qu'on va gâcher en fait le tir. Parce que l'avatar il va se téléporter. Il va se téléporter, je préfère lui mettre un œil de lynx dans la gueule qu'autre chose. Personne d'autre qui a une roquette ou un explosif. Mec, une bonne tranche de clodo. Moi aussi, je veux faire de la lumière avec ma main. Des modeurs aussi probables, plein de bateaux calcinés dans les rues de Saint-Louis. Oh, sympa. T'as combien de tirs? 3. On
On peut faire un bannissement sur... Ouais non, ça reviendra. Toi on va te garder par contre. Yes. Trois clones, la peau parfaite, pas d'imperfection et tout propre. Moi faut que je le refasse. Moi je vais peut-être faire une femme, je sais pas, j'ai envie de faire une femme. On va garder le tir de sniper. C'est quoi ça? Oh, assassin. Oh. J'avais zappé qu'il avait assassin. Ça change tout. Point qu'on se tape. On pourrait se déplacer. Ouais, non, on peut pas se déplacer vraiment. Je voudrais bien le faire bouger une fois, mais je crois pas que ça va vraiment marcher. De lynx, 60. Non, 69%, c'est trop peu. Alors, on va faire un tir normal. Pas mal. Oh oh! J'en connais un qui va se prendre un double fusil à pompe dans la gueule. Dans la tronche. Il va pas aimer, quoi. Oh ouais, t'es mort. Franchement, une cartouche ça suffirait, mais j'ai peur de louper. Voilà, bah deux. Oh, raté à sois. Non. Foutage de gueule. Te loupe pas. Merci. Maintenant, faut prier pour que personne lui fonce dessus, parce que sinon tout le monde va lui tirer dessus. Imaginez un train de marchandises qui pourrait se déplacer incognito dans le ciel. C'est ce qu'on a là. C'est en déplaçant leur matériel et leurs troupes comme ils l'ont fait que les extraterrestres ont pu nous submerger pendant la guerre. Et tout ça grâce à ces vaisseaux. Oh yeah! Je recharge mes munitions. On est bien là, on est bien. Donnez-moi une seconde. Je sais pas pourquoi. C'est passé à 62%. Ah oui, non, c'est parce que le premier tir, en fait, il s'est fait voir après, donc il a perdu les 25%. Je crois. Il a perdu les 25% de bonus, je pense. Je suis à vos ordres.
La source d'énergie de ce vaisseau doit être une nouvelle variante du générateur à Hélérium qui alimente les systèmes du Talion. On a tout détruit. On va faire demi-tour, il y a peut-être des mecs à droite. Ça fait un peu peur. Ça fait un tout petit peu pour. Quoique, attends. Trop loin. Les surnoms sont random, ouais. Ah, peut-être pas, parce que vu que ce sont des personnages prédéfinis déjà par l'histoire, par l'histoire du DLC, je pense que les surnoms aussi. C'est toujours les mêmes personnes qu'on va avoir si on recommence le DLC. Donc les surnoms, ça doit être pareil. En tout cas, je les choisis pas, quoi, c'est ça que je veux dire. Du coup, on pourrait s'avancer ici... On va peut-être se mettre là, derrière la cheminée. J'y vais. Putain, on peut pas avancer, c'est tout ouvert. Chiant. Bon, après, c'est un peu ma faute. Avec les grenades. Mais bon, c'est pas une raison. Moving to designated position. Covering now. Il fleurit, il est tombé de nuit. C'est ça? On a encore deux avatars à combattre. Mais dans un sens, tant mieux. Notre talion est justement basé sur ce modèle. Je suis sûr qu'il serait invisible si on arrivait à le faire décoller. Il nous faut ce stabilisateur. La dernière mission est apparemment tout le temps la même. Enfin, en tout cas, pour ce qui est des pods, en tout cas. Je vais où on a besoin de moi. Je flaire une patrouille. Trouver... Yes. Je fonce. Il est parfait là. C'est lui qui a l'arme des élus, donc on le fait travailler le plus possible, évidemment. Par contre, j'espère pas qu'ils vont lui foncer dessus. Ça me ferait un peu chier. Pourquoi tu passes par le feu aussi ? Ouais, mais t'es conne, c'est pas ma faute si t'es conne. Moving to position. Ordre bien reçu. Je fonce. J'ai envie de le mettre en camouflage et de l'avancer lui aussi, pour avoir un critique encore. Vu qu'il a pas run and gun, du coup on est un peu limité avec lui. C'est bien qu'il se mette en position défensive comme ça. Non, 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 non. Le Talion n'était peut-être qu'un rêve au premier jour, mais il est à deux doigts de devenir réalité. D'accord, il n'a pas l'apparence qu'aurait voulu papa, mais il volera bientôt. J'en fais la promesse. I'm on the move. Trois avatars. Il y en a trois à chaque fois dans la dernière mission. Les deux chapitres c'était pareil, il y en avait trois. Les deux autres chapitres qu'on a fait. Je vais me déplacer. C'est pour ça que j'y vais très lentement. Confirmed. Et que j'abuse de l'Overwatch. Mode vigilance activée. Je reste en observation. Lui il peut se mettre en Overwatch plus en défense. Si seulement papa me voyait.
à la tête d'une équipe sur le terrain, fonçant au cœur d'un vaisseau extraterrestre pour récupérer sa technologie. Je sais pas s'il approuverait, mais au moins il comprendrait. Je savais même pas que c'était possible dans le jeu de pouvoir faire ça. Super étrange. Go, go, go! Ils sont partis où, ces cons? Je vais où vous voulez. Ok, ils sont là. Ils vont peut-être revenir. Eton Bétal. Eton Bétal, je sais. Je surveille. Je l'ai peut-être trop. Je l'ai peut-être trop avancé, l'escarmoucheur. Ils font le tour du vaisseau. Ils font leur patrouille en fait. Ah ah. Waouh, super. La cible est presque intacte. Ah, quel con, quel con. Ah, on va pouvoir les faire péter, je pense. Ah non. Ah, on a plus d'arbres. on a la mine guidée sur lui. Ça serait intéressant de mettre la mine guidée sur lui. Et après, on fait quoi? On tire dessus. Non. Putain, fais chier. Ah, roquette. Alors, technique, stratégie. Clé mort. Requête. Pour les trois là. Claymore requête. Pas mal, pas mal. On a encore des balises, on les a pas utilisées. Toi, on va t'avancer, je pense. Je me déplace. La patience est de mise, ça veut strictement rien dire. Surtout quand tu poses des clémas. Et que tu les fais péter après avec des roquettes. Arrête de dire n'importe quoi. Voilà. Déjà, ça c'est pas mal. Honnêtement, je ferais bien le bannissement, mais on n'a plus d'obscurité. Mais ça ferait putain de mal.
pense que toi, tu vas nous balancer une balise. On va pas pouvoir le tuer, lui. Je sais pas ce qui reste dans l'autre pod. S'il faut, il y a de l'électrique et du mécanique, donc il nous faut les compétences pour le mécanique. On va garder la décharge. Par contre, peut-être que toi, on va te faire bouger. On va voir. S'il se téléporte vers nous, c'est cool. On lui met une balle de snipe. Sérieux? T'es un peu attardé, non? Ah merde. Ça nous aide pas vraiment. Non, ça nous aide pas vraiment en fait. Un truc que je peux faire, c'est avancer d'un cran, me faire le grappin là. Mais je sais pas où il est en fait, lui. Il est là? T'es pas censé pouvoir te mettre là en fait. Je sais pas trop ce qui se passe. Je suis en train de réfléchir à un moyen de pouvoir les tuer, mais je crois qu'on peut pas. Plein dans l'œil. Cible coriace, dégâts nuls. Scanning position. Tu peux faire vigilance et couverture, c'est énorme. Ah, on est bon. Ah, il est content. On a des pourcentages de merde, ça m'énerve. Là, on a une rupture. Je voudrais bien faire rupture sur l'avatar. On va faire ça. Neutralisé.
Très bien, il va falloir faire bouger l'autre con. Avec de la chance, il va se mettre. Oh merde, non, il s'est mis loin, 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 loin. Oh, 92%. On peut faire vindicte. Reviens ici. Oh, merde, non, ça va pas marcher. Ça aurait été trop classe. Œil de lynx, ça le tue. Allez. Ah. Non. Oh, allez. Ah, t'as merdé. Yep, Terran. Ça va? Ah! Merdé là. Est-ce qu'il y a un moyen de le toucher? Ça n'a pas traversé. 4. Oh la vache! Va plus loin encore, s'il te plaît. Va plus loin, mais merde. Fais chier. Ah là, il va nous faire chier. Il va nous faire un contrôle mental, monsieur. Surtout qu'il y a le sniper qui est exposé. J'espère qu'il va pas tirer, par contre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, tire pas! Oh non, on va nous faire ce que ça j'ai faisait pas partie du plan! Merde. On n'a pas de soin! On n'a pas de soin, on peut pas l'aider. Oh, non, quelle pute! Bonne nuit Orion. Vous avez passé. Mais quelle pute, on peut rien faire. À vos ordres, commandant. On peut pas sauver le mec, il va mourir. Parce que Lily est une conne. Hein. Lily n'a pas de medipack. Hein. Medikit. Je me repositionne. Donc on va devoir faire 100. On va devoir faire 100. J'y vais. Sans sniper maintenant. Oh, fait chier, c'était l'atout le plus intéressant qu'on avait en plus. Il n'y aura pas de pardon. Oh, fait chier. Je l'ai bien fait. Eh ben, vous faites tous chier à louper comme des cons. J'ai raté la cible. Sans mec. Triple fleuriste, putain, ouais. Nous sommes compromis. Ouais, ça fait chier là. On peut pas stopper. Non, y a aucun moyen. Non, non, c'est mort. Moving out.
Bon, après il reste qu'un seul pod. Il reste qu'un seul en... Je sais même pas s'il reste qu'un seul. Je crois... Normalement, il doit rester qu'un seul pod. On a encore des on a encore des habilités et tout. Ça devrait passer. Je couvre le terrain. Order confirmed. On the move. J'aimerais bien examiner leur ordinateur de bord de plus près. Le nôtre aurait besoin d'une bonne mise à niveau. C'est super intéressant, dis-moi. Headed there now. Looks like hostiles over here. Oh. C'est pas drôle. Suis-moi, Robert. Sectopode. Orders confirmed. On the move. Un sectopode, putain. Je sais. On peut pas le sauver. J'avance rapidement. Tout de suite. Position confirmed. Bon, eux, ils sont pas dangereux. Ouais, non, on va y arriver normalement, pas sans trop de problèmes. Je pense. J'ai rechargé. Fallait que le mec, quand même, tue le seul avec l'arme de l'élu. Hein. Fallait vraiment que ça tombe sur lui, quoi. Adieu. Un petit moins 5000, c'est bien, ça. Fait plaisir. Running. Pourquoi tu passes par là, con ou quoi? J'ai bien fait de continuer le sport. Bien, commandant. Mort de rire. Je charge de nouvelles munitions. C'est mon tour. Ah, j'ai oublié de bouger l'autre. Ça m'apprendra à partir sans médic, surtout que j'ai pas le choix dans la composition de mon équipe. Mais ça m'apprendra, ouais. Volk m'a demandé d'obéir. Là. Ce serait bien qu'ils se mettent à côté de choses explosives, mais ça va pas le faire. Je tire sur tout ce qui bouge, ok? Je serai vigilant. Eh, venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non? Pas venir? Je passe en vigilance. Je vois tout. Non. Toujours pas venir. Ok. C'est bien. C'est bien. Je crois qu'on va être dans la merde. Enfin, dans le sens où on va devoir combattre. Enfin, devoir ouvrir les hostilités, c'est ça le truc. Je me suis toujours demandé on a des pods statiques. Pods statiques, c'est les pires. Ouais, pods statiques, c'est les pires. Faudrait que la décharge. Faudrait qu'on avance et qu'on ouvre avec une décharge électrique, je pense. Ah, mais je peux pas. Je peux pas m'avancer. Le top serait qu'on fasse un contrôle et que ça marche. On va avoir des problèmes.
Viens par là. S'ils avançaient un tout petit peu, franchement, vous serez à la portée de la grenade, vous serez à la portée... À la portée de la décharge électrique. Ah non, ils vont pas bouger. Hein. Mode vigilance activée. Chez moi, la vigilance est activée. C'est lui qui a la balise leurre, donc je peux pas utiliser la balise leurre. On va devoir avancer comme des cons, hein, comme des abrutis. On va voir ce qui se passe. Shred it. Ça c'est bien ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, 2 sur 3. Ah si, c'est bon. Si elle me tue les deux derrière, ce serait cool. Ouais, désorienté, désorienté. Bannissement à 61%. C'est un peu pourri quand même, non? Oh putain, là ça serait parfait. Tu te fous de moi quoi. Là faut qu'il se mette là. Toi tu peux par contre. Je me lance. Nous devons détruire son armure. Okay, c'est un peu mieux. Enfin, c'est... Pff, ouais. Oui et non, quoi. Je vais où on a besoin de moi. Par ma main. Wow. On pourra peut-être le suivre à la trace. Ouais, peut-être. Ça suffira pas. T'es sérieux? Trois écorchures, mais t'es d'affilée, mais tu te fous de moi? Une autre fois. Un truc de fou, ça. On va se faire voir là. They've got eyes on.
faut les tuer eux. Évidemment. Quelqu'un peut, je sais pas, faire quelque chose pour le... Pour la vigilance là qui nous fait chier, non. On va devoir se la manger, c'est ça. Ah non, on a plus de balles. Oh. Rock'n'roll. Bon, il restera plus que l'autre. Intéressant. J'en connais un qui va prendre cher. Ah, ils m'ont gavé avec leurs écorchures. Incroyable. Je bouge vers la position. Interruption, forme puissante de vidéo plutôt que de tirer automatiquement avec n'importe quelle action simple. Et après, il y a seigneur de guerre, déclenche une action immédiate. Interruption. Mon entraînement m'a beaucoup appris. Colère. Déploiement du grappin. Non, merde, c'est que du 50%. Ça va être la merde. Il va falloir... Il faut un peu de chance là par contre. Son armure lui a sauvé la vie. Faut qu'il se téléporte vers là-bas. Oh merde. Okay. Ok, ça va pas être drôle par contre. Là, on risque de pas vraiment rire longtemps. C'est quand même le fusil à pompe qui est
suis à vos ordres. Qui est contrôlé. J'ai touché son armure. On peut pas la voir. Je sais pas si la bombe IEM ça va lui faire des dégâts. Endommage et désoriente les unités mécaniques dans la zone. Parce que je me suis dit, peut-être que ça va le désorienter, ça serait bien en fait que ça le désoriente. Mais je suis pas sûr. Chier lui. Oh, le fusil à pompe, il va la défoncer. Ma position est compromise. Ça va. De recharger et elle fait chier son armure. Elle fait extrêmement chier son armure. Oh merde. J'aurais pas dû tirer avec lui en fait. J'aurais dû aller avec un autre. Quelle merde. Je vais me déplacer. Oh mais 3 ans à le tuer quoi. Alors que s'il est vraiment pour... S'il se remet du côté où c'est qu'il y a tout le monde, c'est fini quoi, on le défonce. Mais là on met 5 ans. Le mental, ça devrait être fini là, non? Yes! Oh mon dieu. On lui a fait combien de dégâts? Je crois qu'on doit, lui avoir fait au moins 30 ou 40 de dégâts en tout. Elle peut pas faire ces trucs. On a 70. I'll
Il devrait pas être là, c'est pas normal qu'il soit là. Je sais pas pourquoi il persiste à se mettre là, c'est pas normal. Allez Lily, finis-le. Ah bah putain. Je vais vous demander. Il n'y avait plus personne pour protéger le vaisseau. On n'avait plus qu'à récupérer ce qu'il nous fallait. Moving to designated coordinates. Eh bah. Ah mais des fois hein, le RNG hein. À première vue, le stabilisateur énergétique était toujours en bon état. Le RNG au combat hein. Genre escorchure trois fois à la suite Ah non mais le truc il voulait pas quoi. Il voulait vraiment pas crever quoi, c'est... Après il est pas extrêmement dangereux, c'est juste qu'il fait chier. C'est genre il contrôle mental, téléportation tout le temps. En plus sans le sniper c'est horrible. Avec le sniper on l'aurait tué en 3 secondes comme on a fait avec J'adore les deux autres. Les défis. Parce que le sniper peut tirer partout en fait. Il a vue commune mais là c'était horrible sans ça. J'ai la marchandise. Ces gens ne seront pas morts pour rien. Le talion va pouvoir décoller. Eh ouais, le sniper est mort. Station de combat opérationnel, j'ai eu ça en succès. On a eu de l'or. Alors, nouvelle apparition héritage débloqué. Nouvelle opération, pardon. Projet Lazare, c'est le dernier. Et casque héritage débloqué pendant une campagne solo. Putain, commandant. Du très beau travail. Check fun, ok, ça marche. Ces gens qui me demandent de regarder le téléphone comme ça. Waouh. Je réponds après. Projet Lazare, le prochain. Donc on a fini. On a eu or encore. On a tout le temps eu or. Ça va, c'est cool.